Maintenant, je vais répondre. Vous savez, quand je dis le CNRD, des petites personnes, des inconscients, vous avez tous vu l'accident qui s'est produit aujourd'hui à Conakry. Accident grave, ça a été. Vous avez vu les images, regardez les véhicules. Regardez ce véhicule, comment ce véhicule a été abîmé. Regardez d'autres. Regardez ce taxi. Regardez encore. Regardez. Un gros camion. Il y a eu des pertes en vies humaines. Mais vous savez, le CNRD, c'est tellement, je ne sais pas quoi. C'est nous les blogueurs, nous les dérangeons. Accident, c'est naturel. Personne n'a dit c'est la faute du CNRD. Mais tellement que ces gens-là, ils ne veulent pas que les blogs... Ils ont fermé les médias. Les seules sources d'information, c'est nous. Et comme ça les dérange, ils font des posts eux-mêmes. Et attends, je vais vous montrer les posts. Non, mais c'est vraiment dommage hein, pour notre pays. Des petites personnes, un gouvernement de Facebook, un gouvernement de Facebook. Voilà. Voilà. Le poste de Mori Kondé qui disait « Accident à Amdalaï, 26 blessés, dont 4 cas graves, pas de pertes en vies humaines. » Ça, c'est Mori Kondé, hein. Lui, c'est Mori Kondé, ministre de l'Habitat. Et Dansa, président du CNT, voici ce que dit Dansa. C'est, bon, lui-même, il avait dit, c'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le dramatique accident de la circulation survenue aujourd'hui, 14 juin, dans le quartier de Amdalaï, au nom de l'organe législatif. Et à mon nom propre, j'adresse mes sincères compassions à ceux qui ont été touchés par cette tragique. Nos pensées, nos prières accompagnent les victimes et les proches en ces moments de douleur. Voilà. Et après encore, il vient, il dit, un ouf de soulagement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Pourquoi vous pouvez mentir ainsi? Bon. J'ai pas fini. Voici. Le poste de la mairie, le premier responsable d'une commune, c'est le maire. D'ailleurs, les maires ont été changés par des gens que eux-mêmes ils ont nommés. Et voici le poste de la mairie de Ratoma. C'est avec une grande tristesse et une profonde consternation que nous informons la population de Ratoma. D'un grave accident de circulation s'est produit aujourd'hui à Amdalaï rond-point. Cet incident malheureux a entraîné des pertes tragiques de vies humaines et causé plusieurs blessés. Tous ceux qui étaient là-bas ont vu comment l'accident s'est passé. Il y a eu des morts. Mais le CNRD, vous prenez ces morts-là pour faire des sacrifices ou quoi? Vous prenez ces morts-là pour faire des sacrifices. Vous voyez tellement ils sont dans la propagande. Et je vais vous montrer un petit soulard là qui est devenu aujourd'hui communicant du CNRD. Ismaël, vous voyez la photo de Doumbouya derrière. L'ancien maire de Matam, grâce au RPG, il est devenu maire. Et après, il était devenu militant de l'UFDG. Aujourd'hui, c'est lui qui tape sur le président de l'UFDG. Et voici son poste. Regardez le poste qu'il vient de faire. Il prend moi ce que j'ai écrit. Moi, j'ai dit, urgent, grave accident à Amdalaï. Plusieurs morts et de nombreux blessés. Mais, tellement qu'ils sont dans la propagande, c'est nous qu'ils veulent juste. Ils vont nous démentir. Et Allah.
Tous ceux qui ont vu l'accident là, tous ceux qui étaient là-bas, ils ont vu des corps. C'est pas vous qui allez changer ça. Le CNRD, il faut avoir honte. Mais c'est ce fanfaron de Ismaël qui est là. Voilà, qui écrit ceci. Il prend le poste de Mori. Petit Salimou, petit soulard de Ismaël. Entre Mori et moi, là, aujourd'hui, là, qui est écouté en Guinée? On demande au peuple, vous avez confiance à qui? Mais, ça dit, petit, je t'ai dit de te calmer, mais Ismaël, tu ne comprends pas. Ismaël, il faut te calmer contre moi. Ismaël, cette photo, ça doit te dire beaucoup de choses. Ismaël, je ne vais pas commenter, mais je t'ai dit, cette photo-là, Ismaël Kondé, ça doit te dire grand-chose. Il faut te calmer. Petit, tu as, le RPG t'a donné la mairie. À travers le RPG, tu as eu la commune de Matam. Petit, il faut te calmer. Même Mamadou Doumbouya, il n'ose pas le général 5 étoiles. Il faut te calmer. Calme-toi. Tu veux devenir blogueur, prends ton téléphone. Tu fais un peu de démagogie de Mamadou Doumbouya. Petit, calme-toi. Même tes patrons là, eux, ils n'osent pas le général. Ok? Il faut te calmer. Ce que je peux te dire, ça là, la photo là, c'est juste pour te dire, il faut te calmer. Ça, tu sais déjà. Il faut te calmer, c'est tout ce que je te demande. Calme-toi. Ok? Quand tu regardes les deux photos là, il faut te calmer. Si c'est moi, tu veux essayer de taquiner, moi je te taquine avec cette photo d'abord. Je te dis de te calmer. Ismaël, il faut te calmer avec cette photo. Je vous ai dit de vous calmer. Nous, même malgré la nuit, on fait live. Les Guinéens vont regarder, ils vont suivre. Voilà. Moi, je ne suis pas insolent comme vos blogueurs là, hein. Vos autres blogueurs là. Donc, ce que je vais te dire, petit, il faut te calmer. Tu cherches poste auprès de Mamadi. Ce que Mamadi fait comme du bien là. Hein? Il faut penser. Il faut penser à ta famille. Il faut te respecter, Ismaël. J'ai dit d'arrêter de boire. Dobo Dolomina, il faut te calmer. Moi, je ne suis pas ton égal. Hein. Moi, je ne suis pas ton égal, Ismaël Kondé. Ok? Si tu veux que je te descende, si tu veux que je te mette à terre, il faut continuer seulement. Des petites personnes comme ça, là. Toi, tu étais au RPG hier. Ingrat que tu es. Tu es venu à l'UFDG. Ingrat que tu es. Aujourd'hui, c'est Mamadi. Toi, tu vas dire quoi aux Guinéens? Un petit ingrat, même quand tu parles, qu'est-ce que tu racontes? Des salades. Attendez, même, j'ai une vidéo de toi ici. Attendez, je vais jouer la vidéo de ce petit fanfaron-là. Toi, tu penses que toi, tu peux. C'est moi-même qui va te donner de la visibilité. Parce que moi, il y a de ces gens. Vous cherchez de la visibilité, je vous donne la visibilité. Vous ne vous calmez pas. Moi, le 5 étoiles, mes services de renseignement, ça ne finit pas du tout. Mon réseau, ça ne finit pas. Donc, vous continuez à venir ici, quand vous allez parler, me perturber, là. Ah non. Regardez-moi des petites personnes comme ça. Bon. Écoutez-le. C'est le jusqu'à un moment, on l'abandonne. Voilà, Akumba, attendez, je vais lui poser là. Ça, c'est ma toute dernière question. Écoutez-le. Selou Daléen est en exil. Sidi Touré en exil. Qu'en pensez-vous? Écoutez-le. Moi, je ne considère pas Selou Daléen Diallo comme étant en exil. Voilà. Moi, je vais vous faire une confidence. D'accord. Il s'est passé entre Selou Daléen Diallo et moi, en 2020, au mois de septembre 2020. Moi, j'étais sous contrôle judiciaire ici à Conakry.
Il parle de septembre. Il n'y avait pas de coup de. J'ai demandé la permission au juge qui m'a laissé sous contrôle judiciaire de me donner la permission d'aller voir ma famille en France. En France, ils ont fait la capture. La capture d'un mandat d'arrêt international sur lequel se trouvait ma photo. Ils disent que aujourd'hui, mon contrôle judiciaire a été annulé. Un mandat d'arrêt a été décerné pour me rechercher et me prendre, me mettre en prison. Je restais en France, je n'allais jamais aller à la maison centrale. Mais j'avais un combat à mener en Guinée. J'ai appelé Ella Sélou. J'ai dit, monsieur le président, on vient de m'envoyer la capture de mon mandat d'arrêt. Ma femme. Mais la famille, il a dit 2020. Ella Sélou était où en 2020? Ça dit, il ne faut pas que les gens, un soulard parle, un soulard ne réfléchit pas. Il dit 2020. Lui, on lui a, il était sur mandat. Le pouvoir d'Alpha Condé lui a laissé aller voir sa famille. La justice guinéenne, est-ce que sous le CNRD, quelqu'un qui est sous mandat, c'est ce même soulard qui parlait en 2020. Lui, on l'a autorisé à aller voir sa famille. Mais écoutez le reste. Quand je dis c'est un soulard, ce type, il ne comprend pas. Écoutez-le. En train de pleurer comme un enfant, comme une pluie pour ne pas que je rentre en Guinée. Elle a même mis mes enfants en contribution pour ne pas que je rentre en Guinée. Sinon, je risque soit de mourir ou d'aller en prison. Je dis, qu'est-ce que vous lui conseillez? Elle dit, vous ne pouvez pas être à l'exil et continuer la lutte. L'homme est destiné, l'homme est prédestiné que lui est destiné. Rentrons en Guinée, finissons ce combat. C'est là celui qui m'a dit ça. Je lui ai dit, ok, monsieur le président, parce que je risque d'être arrêté à l'aéroport. Je lui ai dit, mais je préfère le jour que vous décidez de rentrer, que je rentre le même jour. Lui, il est à Dakar, moi je suis à Paris. Il dit, je rentre le jeudi. Je lui ai dit, moi aussi, je vais rentrer le jeudi. Le jeudi n'est pas rentré, moi je ne suis pas rentré. Mais j'ai envoyé quand même les gens. Je savais qu'il n'avait pas rentré le jeudi. Il m'a dit qu'il rentre, je lui ai dit, mais je savais qu'il n'avait pas rentré. Moi aussi, j'ai dit que j'ai dit à tout le monde d'aller à l'aéroport. L'aéroport, les gens étaient infiltrés. Je ne suis pas rentré le jeudi. Je suis rentré le samedi. Mais je suis quand même rentré. Je pouvais rester en France. Les gens allaient me considérer comme étant en exil. Mais quand on est un homme politique, on... Quelqu'un qui est le maire de la commune de Matam, tu sais que tu viens pour gérer la mairie. Tu sais que tu as quelque chose devant toi. 2020, tu es le maire de Matam. Toi, tu dis que non, elle a... Vous voyez comment les gens sont hypocrites. Vous voyez combien de fois les gens sont méchants. Ces soi-disant jeunes cadres ne pensent qu'à leur intérêt. 2020, où était Ella Sélou Dalé? Ella Sélou Dalé n'a pas participé aux élections de 2020. Mais pourquoi ce type, c'est un menteur? Pourquoi tu peux te flanquer devant des médias pour raconter des mensonges? Quelle incohérence! Ah, écoutez, hein. Ah non, mais le petit là. J'arrive pas à comprendre encore comment elle a se loupé pendant tout ce temps à l'exil sans revenir mener le combat auquel nous avons discuté ensemble. Celui d'amener l'UFDG au pouvoir. La même chose pour Sylvia Touré. Sylvia Touré n'est pas en exil. Il n'est inculpé de rien. Il se repose encore. Ça dit. Et. Une manière d'attaquer Ella Sélou Dalé. Il a dit 2020. Vous avez tous écouté. Vous avez tous écouté. Moi, mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et quoi, ce sont ces gens-là qui doivent nous diriger. Un fanfaron comme ça. Maintenant, tu n'es plus maire, non? Tu vois, tu es devenu blogueur. Tu n'es plus maire maintenant, tu es devenu blogueur. Kokoya. Même la DCI, eux, ils ne nous attaquent pas. Ils savent de quoi nous sommes capables. Même la DCI. C'est toi, fanfaron, là, tu vas venir t'asseoir, raconter des salades. J'ai dit, la cellule d'aller, voilà, on va rentrer. Toi, tu es qui? Tu vas dire à Selou de rentrer. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu occupes quel poste? Parce qu'aujourd'hui, tu peux t'asseoir pour parler. Je t'ai dit de te calmer. Hein.
Je t'ai dit de te calmer. Ismaël. Ismaël. Et cette photo qui est là, je crois bien que cette photo, ça doit te donner à réfléchir. Ismaël, la photo là, ça doit te donner à réfléchir. De la manière dont tu viens, moi c'est comme ça j'agis. Ok? De la manière dont tu te comportes vers moi, c'est comme ça je te prends. Voilà. Le respect là, ça s'impose. Le respect, ça se mérite. Tu es insolent, je vais te montrer que avec le général, on joue pas. Ok? Ça, je te dis, il faut te calmer. Ça, tu es insolent, je vais te dire de te calmer. Ok? Cette photo-là, calme-toi. Il faut te calmer. Il faut te calmer, Ismaël. Il faut penser à tes enfants, à tes femmes. Toi-même, tu as dit que non, tu voulais rentrer. Ma femme, elle a voulu mettre en contribution mes enfants. Si tu veux un poste auprès de Doumbouya, où est ton CV? Où est ton CV? Quand c'est dans ton djelia, là, que quand c'est dans ta démagogie, là, qu'ils vont te nommer. Moi, je n'ai pas ton temps. Hein. Je ne vais plus faire de vidéos ici. C'est juste un avertissement. Il y a eu combien de morts? Demandez les gens. Il y a eu combien de morts? Famille, il y a eu combien de morts? Si des dirigeants menteurs, irresponsables, des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités. L'explosion du dépôt, ils ont annoncé quoi? Leur comité de crise a annoncé quoi? Des irresponsables à la tête du pays. Il y a eu plusieurs morts aujourd'hui. Les images même parlent. Au lieu de vous flanquer pour dire, il n'y a rien. Qui va voir ces accidents-là, va dire qu'il n'y a pas eu de mort. Qui va voir ces images, va dire qu'il n'y a pas eu de mort. Qui? Toutes ces images-là. Il n'y avait plus... Vous savez qu'on a crié. Les taxis, les magbana. Tout est rempli parce que l'essence est chère. Il n'y a pas un taxi qui roule avec 2 personnes. Il n'y a pas un magbana qui roule avec moins de 10 personnes. Hein? Regardez les images. Mais le CNRD, parce que ces voyous, ils ne veulent pas que, oui, nous on parle quand on donne une information. Ah, j'ai encore donné l'information ce soir. Parce que moi, mes services de renseignement, moi je vous ai dit, Damaro, moi je suis aux États-Unis, tranquille. Je ne suis pas en Guinée. Les bons Guinéens qui voient là, ce sont eux qui m'informent. Moi, je ne suis pas là pour inventer des... Les images là, ça a été pris en Guinée. Elles ont été prises en Guinée. Donc, ce n'est pas vous qui pouvez faire en sorte que les Guinéens ne vont pas croire au général. On parle de plusieurs morts. Et vous, vous êtes flanqués en train de dire, non, il n'y a pas eu de mort. C'est quel genre de communication? Vous le faites pour qui? Un accident, personne n'a dit que c'est le CNRD. On dit que c'est un gros camion qui a causé l'accident. Mais pourquoi vous refusez de dire aux Guinéens le nombre de morts en Côte d'Ivoire quand il y a l'accident? Ils annoncent au Sénégal, partout. Mais le CNRD... Non, vous faites vraiment pitié. Hein? Vous faites vraiment pitié. Les familles, comme je vous l'ai dit, celui qui m'avait annoncé la mort de feu général Sadiba m'a contacté aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi ma première, mon avant-dernier live. Le cas de Foniké, d'ailleurs, ils l'ont déplacé. Peut-être que si on parle, ils vont encore le prendre, parce que c'est un gouvernement de Facebook, un gouvernement de voyous qui n'ont rien à faire. Tout leur seul souci, comment chercher à démentir les blogueurs. Au lieu de travailler, mais un groupe de vauriens, de vagabonds, assis tout leur souci. Facebook, qu'est-ce que les blogueurs ont dit encore? Donc, Foniké Mangé, il ne parle pas. Et d'ailleurs, qui ne bouge même pas ses bras. Ils l'ont pris, le mettre dans les mains de Bala Samoura. Parce que
Ils ne veulent pas que quelque chose arrive du côté de Kassa. Les organisations de droits de l'homme, d'abord, Foneke aujourd'hui, il est en contact avec beaucoup de bureaux. Donc, ils ont eu peur, ils l'ont remis presque mourant aux éléments de Bala Samoura. Si rien n'est fait, les jours à venir, on va attendre que Foneke aussi est parti. Parce qu'ils vont pour les torturer à Kassa là-bas. Donc, c'est l'information. Ça aussi, si vous êtes capable de démentir ça aussi, faites sortir demain Foneke Mangé. Devant les gens, il va parler. Vous allez dire Damaro aussi. Damaro a dit c'est faux. Bande de vauriens, de petits bandits réunis. Moi, je vous ai dit, hein, c'est pas l'armée qui a fait le coup d'État. C'est Mamadi Doumbouya, le bandit. Et aujourd'hui, il a transformé les forces spéciales en un petit groupe de miliciens. Dont lui-même, il est le patron. Ce n'est pas l'armée qui a fait le coup d'État. Hein. Nous ne sommes plus dans un état normal. Nous sommes avec un groupe de bandits, de gangsters, de voyous qui dirigent le pays. Parce que c'est le mot que vous ne voulez pas entendre. Voyous, ce n'est pas un jeu. Voyous, on les qualifie. Voilà. Un voyou ne respecte pas la loi. Un voyou ne respecte pas les aînés. Un voyou traumatise, terrorise les gens. C'est ça le travail d'un voyou. Donc, le CNRD aujourd'hui est en train de traumatiser tout le peuple de Guinée. C'est des gens qui ne respectent pas les aînés. C'est des gens qui ne respectent pas la loi. Donc, ce sont des voyous. Point barre. Merci à tout le monde. Le combat continue. Et à demain, Inch'Allah. En tout cas, Ismaël, je te dis, il faut penser à tes femmes. Il faut arrêter tes bêtises. Il faut arrêter de boire l'alcool. Fara Doromina, si tu as des diplômes, tu fais comme les autres, de la manière dont ils ont cherché leur poste ministériel sous le CNRD, vous faites pareil. Si ces postes-là sont achetés, vous étiez maire pendant des années ici. Donc, il faut aller déposer de l'argent à Amara. Ils vont te donner un poste. Ce n'est pas en attaquant Damaro ou les blogueurs qu'ils vont te donner un poste. Sinon, il y a d'autres là, ils ont beaucoup parlé. Ils n'ont rien eu.